marcher comme ça, là, vous me rendez nerveux. Elle appartient à la maison. Elle appartient à... Accélère, là, s'il te plaît, je l'attends. À personne. Je pense à personne. Elle est bloquée par un deuxième succession. En gros, il n'y a pas de propriétaire, elle est mise n'importe qui en possession des deux. Et ça te fait sourire, ça? Non, non, c'est juste qu'il est malin, ce type, fallait penser quand même. Mais ce type est en cavale. Et il détient la vie de deux gosses entre ses mains. Et un bon moyen pour lui d'être libre, c'est de s'en débarrasser de ces deux gosses. Alors, bon, ne souris pas. Hein? Je suis ravi de vous sentir ça. Ouais. Calmez. Tu vas bien? Ouais. L'enquête de voisinage qui donne rien, la maison qui donne rien, les empreintes retrouvées qui donnent rien. Résultat, t'as maté qui me casse les. Bref, je me comprends. Bah, si la preuve, vous avez perdu votre sens de l'humour. Allez, Léa. Parce qu'on parle de réparation, j'ai pas bien compris. Je sais. Ça, elle s'appelle Emily Germain. Elle aussi, elle a disparu. C'est ma soeur. Mais dis-moi, comment t'as fait pour t'échapper? J'ai oublié de fermer la porte à clé. Et j'ai attendu qu'ils soient endormis. Mais comment l'idée de partir est venue? Surtout après tout ce temps. Elle est pas venue comme ça. C'est juste que j'ai pas pu avant. Ok. On passe à ton frère. Comment il s'appelle déjà? Max. Max. Le commandant Franck Laurent a couvert toutes les hypothèses, boulot irréprochable. Mais il y a un bébé qui n'a pas exploité. Un chauffeur de taxi qui a remarqué un homme devant la maison des Jacquemins. Dès qu'il s'en est approché, ça a viré à l'altercation. Repasser à l'enlèvement, ma soeur, du fait d'appelage. Étudier les habitudes de la famille, observer, sentir, traquer sa proie. Le problème, c'est que cet incident est arrivé après l'enlèvement. C'est intéressant, ça. Avec si pendant 30 ans, ma petite dame, j'en ai vu des choses et entendu aussi. L'incident s'est passé il y a un peu plus de 6 ans, vous pouvez peut-être... J'ai une mémoire, si vous saviez. Bien sûr, je me souviens. J'attendais un client en face de la maison de cette pauvre gamine. Il y avait un espèce de journaliste qui prenait des photos de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Du coup, je m'approche,